Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Et puis à côté du pâté de citron, des petits zakouskis pour entourer le plat de résistance. Mais attention, la chair est fine quand même. Hein. Vous avez le suprême de barbu avec Jean-Yann. Oui. J'avais compris pourquoi vous étiez laissé pousser une barbe de plus en plus blanche. Historique. Non, d'abord, je ne me suis pas laissé pousser une barbe blanche. Je me suis laissé pousser une barbe normale. J'ai constaté une fois qu'elle était là qu'elle était plutôt blanche. Mais il y a des jours où elle est plus blanche que d'autres, c'est quand je la coupe pas parce que les poils blancs du dessus recouvrent les poils noirs du dessous. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais je dois dire que tout à l'heure, quand je suis arrivé en studio, je suis allé vous dire bonjour Philippe, il y avait à côté de vous un monsieur assis, barbu. Je ne l'ai pas reconnu. C'est vrai, Jean. Et une minute après, je lui ai dit que j'étais navré de ne pas l'avoir reconnu. Il change complètement de visage. C'est-à-dire que moins il a de cheveux sur le crâne et plus il en a sur le menton, ceci compense. Oui, mais enfin, les cheveux sur le crâne commencent à revenir peu à peu. Ah bon? Vous les frottez avec quoi pour que ça revienne? Eh bien, mon camarade Martin m'a donné une recette, je n'ai jamais osé la faire. Une recette arabe. Mais il y en a d'autres, je me mets des lotions, pas tellement pour les... Pourquoi tu ne te coiffes pas tous les matins l'eau de l'ourchou? Non, il paraît qu'il y a des lotions miracles maintenant qui font maigrir, font repousser les cheveux, ça dépend ce qu'on souhaite. J'ai invité aussi celui qui n'a pas un cheveu blanc, j'en parle. Ah, lui, alors, mon Dieu, alors là, comment fait-il salaud, alors. L'éternel jeune homme, le gamin entre les gamins, Roger Pierre. Madame. Et puis, tu veux les gâteaux ? Notre père à tous. Oh bah bravo. Notre père sur le plan de la présence, sur le plan du talent, sur le plan de la culture, sur le plan de la cuisine. Non, arrêtez. Sur le plan de l'humour. Ouais, non, ça va. Il blanchit un peu, lui, Martin. Oh, très légèrement. Ah, très légèrement. Il blanchit aussi. Uniquement parce que je me suis pas lavé ce matin. Il a une petite mèchounette. Oui, mais enfin, il reste encore... Il est très frais, ça. Ça veut dire qu'il est plus jeune que nous, hein. Ah, je sais point. 1906. Oui, oh. Eh bien, ce pionnier de la radio-télévision admirablement conservé, c'est Jacques Martin. Ah, je le disais. De Monsieur Combaluzier, de Roux, de Versailles. Les fabricants d'ascenseurs sont toujours deux. Il y a rue Combaluzier, il y a Edou Sama, il y a Otis Piffre. C'est comme les pâtes alimentaires. Mais enfin, pour les ascenseurs, c'est normal. Il y en a un qui tire et l'autre qui pousse. C'est vrai. Au départ, quand il n'y avait pas de moteur, c'était Otis qui faisait monter et Piffre qui faisait redescendre. Et Roux, Combaluzier, plaf. Oui, mais pour les nouilles. J'ai jamais compris. Mais enfin, ils se mettent toujours à deux. Poisson vert du ras, pour percer un spaghetti, il faut y aller, hein, Philippe. C'est quand les types réussissent pas dans l'ascenseur, ils se reconvertissent dans la nouille. Et l'enfant qui demandait à son père, « Papa, papa, l'ascenseur dans la cage, à quel étage il dort ?» C'est joli, ça. Oui. Ouais, d'accord. Ah, ça, c'est joli. Puis ça peut être mis entre toutes les mains. Entre toutes les lèvres. Ce qui est rare, de plus en plus rare. Il faut bien quand même une ou deux phrases qui passent, hein, parce que... Ah, mais Philippe, ça peut être mis entre toutes les mains. Hein. Moi, je suis désolé. Ça, de toute façon, ça ne veut pas faire de mal. C'est moins bête de jouer avec ça qu'avec des allumettes. Et avec ça, on est sûr qu'on n'y mettra pas le feu. Alors, question de Monsieur Combaluzier. Quelle est l'originalité, la singularité de la station de métro Liège par rapport à toutes les autres stations? Les trains arrivent à droite au lieu d'arriver à gauche. Ils ne s'arrêtent pas. Non. Elles flottent. Non. Il y a des bouchons. Liège, c'est au Batignolles, là-haut, c'est ça? Liège, c'est entre la place Clichy et la gare Saint-Lazare. Eh ben... Non, monsieur. Non, il m'a rien dit. Il me disait que ma mère va bien. Il disait ta mère va bien. Alors vous ne les portes s'ouvrent d'un autre côté, de l'autre côté. Non, moi je dis rien, de toute façon je vais nourrir mes bêtes. Écoutez, j'ai habité pendant 15 ans de ma vie, place Clichy. Mais preniez-vous le métro, cher Léon? Oui, mais je ne suis jamais descendu à Liège. Il me semble qu'il y a un quai et qu'il y a un autre quai, enfin ils se suivent au lieu d'être face à face. Et quand vous dites que...
Léon, quand vous dites que vous avez été 15 ans place Clichy, est-ce que ça a eu sur votre vie morale une énorme conséquence? Parce aucune. Que la fréquentation de la place Clichy, peut-être. J'habitais du bon côté de la place Clichy. À 7 ans sur 4 arrondissements, j'habitais côté 18e. Et vous n'avez jamais rencontré en rentrant le soir des dames? Si, si, j'ai rencontré des dames et j'ai rencontré des messieurs aussi. Et vous n'avez jamais... Et il fait ce qu'il veut. Non. C'est une station qui n'a qu'une seule sortie? Non, il y en a d'autres d'ailleurs. Elle est fermée. Fermée. Ouais, elle est fermée. Non, 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 elle est pas fermée. Il arrive que les trains ne s'y arrêtent pas. Pendant l'occupation, elle est fermée. Il n'y a pas de vendeur de billets. Je vous en prie. Il regarde, lui. Il n'y a pas de vendeur de billets. Ah, il est plus fort en pinard qu'en métro, hein. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de station vis-à-vis. Si, si. Si. Il n'y a pas de métro qui s'appelle Liège. Si, si, si. Si, si. Si, si. Rue de Liège, place de l'Europe. Je sais pas, moi j'habitais Beaucartier, là, c'est pas. Ah, c'est un quartier pas mal. Oui, enfin. Il y a une école de secrétariat. Regarde-le. Il y a le bureau de vérification de la publicité. Puis il y a les petites filles du lycée Jules Ferry en face oui, oui. de chez vous. Oui, j'ai mes deux filles qui ont fait pas mal d'études. Oui, mais avant, les filles, avant vos filles. Quand vous aviez votre grand imperméable. Il y avait l'Amsterdam, en tout cas. Voilà. Alors, le métro Liège. Oui, l'Amsterdam. Se trouve par une Liège. Il débouche. Si, 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 si. Si, si. Si. Il débouche. C'est pas loin, ça croise. On peut seulement sortir, mais pas y entrer. Il y a des sorties comme ça, mais oui. C'est la station. On peut seulement. Un yard, mais on peut pas en sortir. Il est remonté aujourd'hui. Il passe des autobus. Non. Il passe pas des autobus dans une station de métro. La station est si petite qu'il faut un chausse-pied pour que Léon Zitron y rentre. C'est le tunnel qui passe sur un autre tunnel. Non, il n'y a pas de distributeur de bonbons, quelque chose comme ça. C'est pas obligatoire. Oh, distributeur de bonbons, vous êtes là, hein. Ça ferme tous les soirs à partir d'une certaine heure. Oui, exactement. Aux environs de 21h30. Oui, et ça ferme aussi le dimanche et les jours fériés. Très bonne réponse de Léon Zitron. De Monsieur Durand de Palaiso, quelle est la particularité du mercure? Ça soigne bien. Il est liquide. Oui, il est liquide. Et la densité est de 13,45. 13,8. Mais c'est 6, le seul liquide à avoir cette particularité. Ah, c'est un métal. C'est un métal. C'est un métalloïde, donc il ne mouille pas. Oui, mais il n'est pas humide. Bonne réponse de Jacques Martin. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. De Monsieur Legendre de Gonesse, comment vérifie-t-on qu'une boule de pétanque est bien équilibrée? Alors, il y a un truc, un rail qui existe, qui est... Qu'est-ce qu'il a encore dit? Non, laissez Léon... J'ai rien fait, moi. Alors, monsieur Yann, vous avez l'air de bien connaître... Ben, oui, parce qu'avant les concours de boules, on passe les boules au rail, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'instrument, d'appareil, de machin, où la boule doit... Oui, c'est vrai. Il y a une espèce d'appareil pour vérifier les boules. Il y a ça dans le midi, partout. Un vérificateur de boules, oui. C'est pas un pèse-boule? Non, il y a autre chose qui est plus simple qu'un rail, que tout le monde n'a pas. On prend une cuve, on met dedans de l'eau, du sable, et on pose la boule dessus. Elle flotte sans tourner lorsqu'elle est bien équilibrée. Quoi ? Et dans le cas contraire, elle... On met du mercure ! Du mercure ! Bonne réponse de Jacques Martin. Non, mais là, ça a été si vite, si vite. Vous mettez votre boule de pétanque dans une cuve de mercure. Ça n'a rien cher. Rien cher, moi. Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça. Parce que les boules piégées dans le midi, c'est des boules qui justement contiennent du mercure. Et ça n'empêche pas de truquer effectivement des boules de pétanque avec du mercure. Mais pour faire la preuve qu'elles sont bien équilibrées, on recourt aussi au mercure extérieurement. Ah bon ? Je suis pas vraiment convaincu. Heureusement qu'il n'a pas gagné les 500 balles parce que j'aurais... Partez, madame. Vous prenez le train là, vous avez pas raté la correspondance. Au revoir, vous embrassez bien la tante Mariette pour moi. Hein. Un gros bisou à Franck, madame. Bonjour, chef. Merci pour les œufs. Hein. Au revoir, madame. On va bien. Voilà. Au revoir, madame. Non, ça ne dérange pas, pour y aller. Revenez quand vous voulez. Hein. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Embrassez Fernande aussi. Hein. Et tante Josette. Et soeur Frédérica.
Elle était venue voir ce que Citroën présente à chaque émission. Elle vient toutes les fois qu'il y a Citroën. Et ses chansons de gestes. De Monsieur Pavageau de Strasbourg. Comment Lucia Francesco et Giacinta devinrent-ils célèbres en 1917? Sous ce nom-là? Sous ce nom-là. Non. Ils n'ont pas changé de nom. Non. Vous nous redites ces noms? Lucia Francesco et Giacinta. Et ce sont les Italiens, visiblement. Italiens, non, portugais. Ils ont été célèbres ici, en France? Oh, partout dans le monde entier, on a connu en quelques jours leur nom. C'est le genre Zacco et Vanzetti, un machin comme ça, non? Pas ce sont des artistes? Des sportifs? Non. Ce sont des aéronautes? Non. Des cascadeurs? Ils n'ont pas été victimes d'une injustice? Absolument pas. Ce sont des soldats? Non. Bah, ce n'étaient pas des militaires? Vous savez, Lucia, il y avait peu de chance que ce soit sous les drapeaux en 1917. C'était en pleine guerre? Des Portugais? Ah, ils étaient... Ils faisaient la guerre. Des Siamoises? Ce sont les deux seuls soldats portugais. Des Siamoises? Non. C'est deux filles? Non. Des triplés? Il y avait... Deux filles et un garçon? Deux filles et un garçon, oui. Ils étaient soulevés par la tête, triplés, non? Ou par les... Non. Ils étaient... Est-ce que ce ne sont pas les trois enfants qui ont vu apparaître la Vierge à Fatima? Exactement. Fatima. Bonne réponse de Jacques Martin. Les trois jeunes enfants qui, gardant leur troupeau, virent la Vierge apparaître... Dans un hélicoptère, en plus, ce qui était un vrai miracle pour l'époque. Oui. Quel reportage pour Léon. En... Hein? Imaginez la scène, cher Léon. Vous voulez pas nous faire Fatima, Léon? Je ne vais pas faire Fatima, non, mais j'imagine. Oh, ben... Mesdames et messieurs, bonjour. Si Léon Zitrone, qui depuis quelques instants... Oh, la voilà, la Sainte Vierge. Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Ben oui, par Majesté. Quoi, c'est la Reine du Ciel? Non, non, mais on pourrait imaginer. Moi, je pense que ce garçon, comment s'appelait-il? François? Francesco? Lucia, Francesco et Giacinta. Francesco. Francesco. Il ressemble à Martin. Alors là, il y a une description de vous extraordinaire. Mais pourquoi dites-vous que je suis fou? Est-ce que j'ai une tête de portugais? Vous n'avez pas une tête de portugais. D'abord, vous avez une tête d'enfant. Et puis, vous entendez des voix. C'est vrai? Ah oui? J'ai même eu des apparitions. Mais oui. Ah ouais? Ça vous frappe? Bah si ça me frappait, enfin, vous allez pas le faire. Non, on peut pas faire de reportage surtout, c'est pas possible. C'est... D'abord, on ne peut pas le faire en direct, on n'était pas là. Double Axel. Triple boucle de Philippe Bouvard. Triple boucle, comme je disais, à Hartford, dans le Connecticut. Ah, vous avez été dans le Connecticut? Bah oui, pour les championnats du monde de patinage. Oui, j'ai regardé, c'était formidable. Bah écoutez, vous êtes bien gentil. Vous avez fait pour vous taire, là, pendant un petit moment. Non, mais quand je vous ai vu, vous étiez bien. C'est pas moi qui patinais. Ah, bon. Vous m'avez confondu avec Jean-Christophe Simon. RTL. Les grosses têtes, dans la nuit des temps, jusqu'à 5h. Oui. Madame Petit, de Fontaine-lès-Dijon. Quel est le document officiel le plus imprimé en France, c'est-à-dire tiré chaque année à 300 millions d'exemplaires? La déclaration d'impôts. La déclaration des revenus. Ah non, 300 millions non. Un ticket de métro? C'est pas un document officiel, un ticket de métro. Acte de naissance? C'est de ce genre-là? S'agit-il d'état civil? Ah non, 300 millions? Pas exactement. S'agit-il d'un formulaire à remplir? Oui. L'échec? Non. Ah ben, les comptes postaux. On le remplit plusieurs fois dans l'année? Ah, il y a des gens qui n'en remplissent pas et d'autres qui en remplissent 15 ou 20. Les comptes en danse? Non, ce qui explique qu'il faille tirer à 300 millions d'exemplaires. Parce qu'il y a des gens qui les oublient et il faut qu'ils en aient. Ah non. Est-ce qu'en général ça se traite par... Les feuilles de la sécurité sociale. Les feuilles de la sécurité sociale. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous êtes assuré social, vous Jacques? Hélas. Hélas pour la sécurité. Non, hélas, pour moi, j'aimerais mieux garder mes ronds et j'ai pas besoin d'eux. Moi. Votre jambe nous a coûté cher. Pas tellement, je peux vous le dire, parce que j'attends toujours le blé. De Madame Dormal de Moa en Belgique. Moa. Quelle est la différence entre une sauce blanche et une sauce béchamel? Il y en a une dans laquelle on met du citron et dans l'autre non. Non. Dans laquelle on met un jaune d'œuf et dans l'autre non. Mais Monsieur Martin, secrétaire. Non, on met de la farine et dans l'autre non. De l'eau et du lait dans les unes. Alors, de l'eau et du... Non, de l'eau, mais pas du lait. Il y en a une qui est crémée, une de l'eau et du lait.
Une de l'eau, une de lait. Bon, voulez-vous laisser Monsieur Martin donner sa recette? Comment faites-vous votre béchamel, Monsieur Martin? Bah, ma béchamel, Monsieur Bouvard, je fais fondre doucement mon beurre, je singe avec une cuillerée de farine et je fais doucement mon mouillement au lait, voilà. Bon, et votre sauce blanche? Eh ben, ma sauce blanche, je fais exactement la même chose. Ah, là, vous avez tort. Mais non, dans la béchamel, on peut mettre du gruyère. Mais il ne met pas de lait, vous ne mettez pas de lait dans votre sauce blanche. De l'eau dans la sauce blanche. Vous mettez de l'eau dans la sauce blanche. Oui, enfin, ça dépend. Qu'est-ce que vous ajoutez, monsieur? De la maïzena, non? Ajouter de la farine dans la maïzena, ça faut le faire, quand même. Alors, on citronne un peu, non? Non. Du lait, on met dans la sauce blanche. Mais non! Non, on ne met pas de lait dans la sauce blanche. On met les doigts. Un peu de citron, quelque chose qui lit. Mettez pivot. Il lit beaucoup. On l'a appelé le présentateur. Pourtant, ça m'embête parce que je croyais que ma sauce était blanche, moi, et puis... Mais enfin, Philippe, une béchamel, oui. Ça peut se mouiller à l'eau, au lait, au consommé, au fumet de poisson, c'est selon les besoins. D'abord, je voudrais vous arrêter tout de suite, puis deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on fait. On prépare d'abord son pâton, et on le met au four, à dessécher pour ôter le goût de la farine, et ce n'est qu'après qu'on assurera la liaison. Alors, si vous voulez entrer dans la béchamel, j'en fais la sauce blanche, ça se démarre hein, beaucoup oui, de frein. Oui, mais enfin, je crois que M. Zitrone a dit quand même ce qu'il fallait dire, ouais. À savoir qu'il y en a une qui admettait le lait et l'autre qui était plutôt à base d'eau. D'eau. On va applaudir M. Zitrone pour... Parce que de la farine et de l'eau, ça s'appelle une détrempe. Et on met un peu de bouillon de viande, d'ailleurs, en plus. Quoi? Dans quoi? Dans la sauce blanche. Oui, pour qu'elle reste bien blanche, vous mettez... Non, c'est une question qui vient d'où, me disiez-vous? De la cantine scolaire de machin, là. Je sais pas, c'est d'un truc... restaurant de collectivité. Non. Forcément, 9% de pain, c'est frites dans la sauce blanche, ça doit être quelque chose, hein. Vous faites la cuisine, Monsieur Zitrone? Non. Ça se sentait d'ailleurs. Je ne sais pas du tout, je ne connais rien en cuisine. Ouais, ouais. Et vous n'avez jamais essayé de la faire un blanche, plat ou de... Non, non. Si, je fais un steak. Oui. Mais il faut me fournir la viande. Je ne peux pas faire de steak sans viande. La poêle, l'appartement? Oui. Et vous, monsieur Yann, qu'est-ce que vous faites comme plat? Chinois, monsieur. Ah, uniquement chinois? Uniquement. Vous voulez donner une recette chinoise? Dans la langue du pays, c'est dur parce que d'abord, il faut savoir si les gens comprennent le cantonais ou le... Le cantonais comme le riz ou le pékinois comme voilà, le chien. Ou le pékinois comme le chien. Non, mais pour faire la cuisine chinoise, c'est très très simple puisque de toute façon, par exemple, si vous faites du veau aux langoustines, au bœuf et aux huîtres, vous prenez du veau, vous rajoutez des langoustines, du bœuf et des huîtres. Si vous faites des huîtres au bœuf, au veau et aux langoustines, vous prenez des huîtres et vous rajoutez des langoustines, du bœuf et du veau. Et si vous faites des langoustines au bœuf, au veau et aux huîtres, vous prenez les langoustines et vous rajoutez les trois autres. Alors, finalement, vous arrivez à faire 12 plats avec seulement 4 produits. Alors après, c'est les multiples, par 5, par 6, par 7, par 8. Je sais faire le canard Ruy Blas aussi, qui est le canard laquais, mais enfin ça n'a rien à voir. Oh. Je ne demande pas à Jacques Martin quels sont ses morceaux de bravoure en cuisine. Bah, il va faire son livre bientôt. Ce que vous voulez. Tout, hein. Vous téléphonez 48 heures à l'avance, c'est prêt. Et vous préparez un canard laquais avec 48 heures? Non, je ne touche pas à ces cuisines-là. Laissons aux sauvages ce qu'ils incorporent. Moi, je suis un cuisinier français. Et vous, j'achète tous ces Findus. J'assistais, moi, au Tastevin, à la réception d'un consul japonais. Et il avait offert au spécialiste de ce vin une bouteille de saké. Et il attendait un jugement. Et on dit, devant tout le monde, monsieur le consul, nous avons goûté le saké, cette boisson japonaise. Nous avons été surpris pour nos palais bourguignons. Mais on peut vous dire une chose, c'est que pour nettoyer les carreaux de cuisine, c'est parfait. Assistez aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.